Il va falloir que je reste concentré. Pas de blagues, les garçons. Bonne chance. Amanda, ne te mets pas entre cette pierre et moi. Stop! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. On est juste avec l'arme la plus pétée du jeu. Dans ce qu'elle a, cette arme. James. Amanda. Oh non. Dieu. James. Désolée, Amanda. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça. Je suis venue pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois, et la place sera pour moi seule. Je vais deviner la seule chose qu'il touche. Comment on fait déjà? Je crois qu'il faut lui tirer dessus avec les flingues après. Épique!
cette créature. La fin. Désolé ma vieille. C'est parti. Année, je m'en suis voulu. Mais c'était toi! C'est toi qui l'as tuée! Tuée? Elle n'est pas morte! Elle est là où j'aurais dû aller! Là où tu pourrais être! Explique-toi tout de suite, Amanda! Ou je te jure que je t'exécute sur place! Je t'ai dit de prendre l'épée! Je te l'ai dit! Où est morte? En Avalon! Ce n'est pas un mythe! Tu ne comprends pas! Tu ne comprendras jamais. Je perds mon temps. Tu ne perds rien. Le temps qu'il te reste dépend de moi. Lara. Longtemps, mon père a cru que Mère était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu passes pour le British Museum. Appelle-moi quand il y est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. J'y vais. Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Compris. Et je dis quoi ? Dis-lui que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Tomb Raider, Legend. À suivre dans Tomb Raider Underworld. Mais juste avant, vous devez faire Tomb Raider Anniversary pour découvrir certains secrets d'Underworld. Yes! Yes! J'ai fini Tomb Raider Legend! Haha! Mais c'est que le premier de la trilogie. Je me suis juré de vous faire toute la trilogie des Tomb Raider de Dynamic Game. Nous avons fini le premier, Legend. On va faire Anniversary, qui est en fait Tomb Raider premier du nom. Mais avec des graphismes actuels, et avec cette Lara Croft qui est donc mieux modélisée, tout ça, etc, etc. Mais voilà quoi, c'est en fait le premier Tomb Raider, mais qui aura une importance scénaristique pour Underworld, le troisième et dernier
chapitre des Tomb Raider de Dynamic Game. Il faut savoir aussi qu'il y avait un DLC pour Underworld, mais c'est un DLC qui n'a pas vraiment d'importance au niveau scénario. Il a de l'importance pour un personnage que l'on rencontre dans Underworld, mais ce n'est pas un DLC qui a une importance dans l'histoire qui a commencé dans Legend, vous voyez ? Mais voilà quoi. Bref ! Ouf ! Alors, comment est ce jeu ? Il est génial ! Tu peux coincer, c'est sûr. Moi, vous voyez, hein, j'ai des fois coincé. Des fois, je suis mort, mais ça, c'est parce que j'ai aucun skill. Hein. Je ne suis pas un joueur pro, donc c'est sûr, moi, je me rate. Mais voilà quoi. C'est un jeu vraiment génial, et en plus, si vous prenez la peine de bien chercher les trucs, ce jeu peut vous tenir pendant... Allez. 13-14 heures. Allez, 13-14 heures, en cherchant bien et en galérant un peu. Si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous aidez de temps en temps de Solus pour essayer d'avancer dans l'histoire, bah sachez que les Solus que j'ai trouvés, hein, qui sont sur Tomb Raider et compagnie, une chaîne YouTube, ils vous montrent aussi où sont tous les trésors. Donc voilà, donc si ça intéresse ceux qui cherchent aussi tous les trésors, et eux ils terminent les niveaux en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc eux, tu vois, ça leur prend, allez hop, 5-6 heures, quelque chose comme ça. Donc tu vois, soit tu décides de faire le jeu normal, c'est-à-dire tu cherches, tu fouilles, tu creuses vraiment tes ménages. Donc tu en as pour, comme je t'ai dit, 13-14 heures. Soit tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu te concentres que sur l'histoire et tu récupères juste les trucs que tu trouves sur le chemin. Donc là, t'en as pour 6-7 heures. Et si tu fais, si tu veux justement trouver tous les trésors rapidement et donc en t'aidant d'une soluce, t'en as pour, comme j'ai dit, 5-6 heures. 5 heures grand minimum, maximum 6 parce que t'as foiré un saut ou un truc du genre, mais tu vois l'idée quoi. Enfin bref. Donc voilà, enfin, comme si un saut pouvait rajouter une heure. Non, mais je veux dire, tout est faux, t'as raté un saut, ou tu t'es foiré sur un passage, tout ça, etc. Enfin bref, t'as compris l'idée quoi. Voilà. Ouf! Encore un jeu terminé pour le programme Girl Power. Oh, la vache, je termine des jeux! Les Valjeans, je viens à peine de calculer, mais... Je termine des jeux! Je termine des jeux sur cette chaîne! La fin du monde est proche! Non, sérieux, des fois... Enfin, normalement, je galère toujours pour faire les jeux. Mais là... Oh la vache, comment je te l'ai... Oh mais c'est sûr, dis-toi que Tomb Raider Legend, là c'est le prochain jeu que je vais t'envoyer que des épisodes de ça, hein. Ah, après Little Witch Academia, parce que c'est pas encore envoyé tous les épisodes de Little Witch Academia. Hein, je suis en train d'envoyer l'épisode 44, là, en ce moment. Je sais déjà ce que je vais envoyer, hein. Je vais vous envoyer Tomb Raider Legend. Là, c'est sûr. Pas question de vous faire autre chose, hein. C'est Tomb Raider Legend de bout à bout, hein. Là, j'ai terminé le jeu, je vous l'envoie. Mon dieu. La vache. Il me manque, en fait, très sincèrement, parce que j'ai aussi les épisodes de Valnatina, de Star Wars The Republic, que j'ai déjà terminé. Donc, en fait, il me reste plus que dans le programme du Girl Power que j'ai prévu jusqu'à maintenant. Rayman Legends. On a aussi... Subwalker, mais c'est un MMO. Et on a Blue Dye de Sword Art, de Star Wars The Old Republic, donc l'histoire du chasseur de primes, donc avec Blue Dye, hein, une femme chasseuse de primes. Ah ouais, mais il me reste plus grand chose à faire en fait. Oh la vache, est-ce que je vais réussir à terminer un programme? Est-ce que je vais réussir à terminer un programme que j'avais prévu sur la chaîne? T'es sérieux là, mec? Non, parce que je vous rappelle qu'on a déjà terminé à Agami Nightfall. Je vous ai fait Portal 1. Alors certes, je suis censé vous faire aussi Portal 2, mais comme il est beaucoup plus long, ce sera pas... peut-être à la rentrée, j'arriverai à vous envoyer Portal 2 en entier, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais la vache, les mecs! La vache. Donc sur ce, les Valjeans, à plus sportif, oui, j'ai connu, c'est la suite, et ciao, ciao. On se retrouve donc pour le prochain jeu vidéo. Normalement, après Tomb Raider Legend, on se retrouvera pour Tomb Raider Anniversary, pour ceux qui voudront suivre la trilogie. Pour les autres, ce sera donc un autre jeu, hein, n'importe lequel, celui que vous aurez choisi. Allez, à plus! Moi, je me casse. Crystal Dynamics Game. Les meilleurs, ceux qui ont créé la meilleure version de Lara Croft. Je vous le dis, c'est clair et net, ils ont créé la meilleure version avec cette trilogie. C'est, voilà. C'est terminé, au revoir, boucler le dossier, tout ça, etc. Parce que celle de Square Enix, elle se veut trop réaliste. Elle peut pas faire des super sauts olympiques parce que... Oh, le faire des sauts olympiques, ah non, ça n'existe pas. Mais alors, les Jeux Olympiques, ah non, ils n'existent pas, ils sont imaginaires. Voilà. Oh. Ah, par contre, je préviens, pour ceux qui le savent, il y a un...
un niveau bonus qui est le manoir des Crops. Et évidemment, je vais vous le faire, ne vous inquiétez pas. Enfin, je vais vous le faire, je vais vous en montrer une partie quoi, parce que le truc c'est en fait plein d'énigmes. Mais voilà quoi, t'as compris l'idée. Et il faut savoir que le manoir des Crofts, bah à la base, c'était le didacticiel du premier Tomb Raider, donc voilà. Donc sur ce, à plus! Portez-vous bien! Mangez des cookies! Vous connaissez la suite! Je vous dis à la prochaine! Je disparais dans un nuage de fumée dans les ministères de Avalon. Sérieux? Non mais casse-toi! Sometimes, to understand your present, you have to go back to your past. And this time, things will be different.